t'a rien dit de plus? Non, non, il m'a juste dit qu'il venait pour les travaux de la route. Qu'on nous a pas prévenu il y a 2 ans quand les travaux s'arrêtaient, et maintenant on nous prévient même pas qu'ils peuvent reprendre, je sais pas, moi je trouve ça un petit peu... On raconte que vous êtes venu pour l'autoroute. C'est un drôle de truc de pouvoir changer la vie des gens, non? Emilio est arrivé hier soir. Il va falloir faire travailler en priorité les entreprises de la commune. C'est l'homme providentiel de M. Philippe Miller de la société GMTR. Non, je comprends pas. Votre société, c'est une filiale d'un groupe gigantesque. Et tu trouves pas bizarre qu'on ait vu personne encore, la CGI, la DDE? Vous avez bien une banque, des comptes, il y a toute une organisation. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Regarde comme c'est beau. Je veux pas que tu me mentes. Je sais pas qu'on pouvait ressentir ça. Les gens parlent. Ils ont peur de se faire avoir encore une fois. Vous le connaissez depuis longtemps, Philippe? Il s'appelle Paul, non, Philippe. T'arrives pas au bon moment, peut-être. Je crois que vous vous rendez plus compte de ce qui se passe. C'est trop tard. C'est qui cette signature? Moi, j'y ai cru à ce type. Fulure! Non, on fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez construit une parcelle d'autoroute? Je crois que même à l'arrivée, tout ça devrait coûter moins cher qu'un chantier normal. Ça veut dire quoi, un chantier normal? Elle est où, cette route? Elle va où?